Mesdames et messieurs, merci de suivre Face à Face, un nouveau numéro. Il est spécial parce que nous faisons le déplacement avec toute l'équipe. On est là parce qu'il est important de parler d'un sujet. Ce sujet a, je veux dire, dérangé plusieurs personnes et qu'il y a beaucoup d'autres pasteurs qui sont venus après pour soit maudire, il y en a d'autres qui sont venus bénir l'homme de Dieu. Le pasteur du Foucault du Ciel accepte de nous répondre. C'est d'abord quelqu'un de peu de temps, peu de paroles. Il est plus soit à la guitare ou à la chair, mais aujourd'hui, il accepte de nous expliquer exactement de quoi s'agit-il. C'est vrai, cette émission, on parlera de cette vidéo qui a fait le tour du monde, mais surtout le message du prophète Branham et toute la contradiction qu'il y a autour et toutes les controverses possibles. On en parle aujourd'hui avec celui qui a bercé notre enfance et celui qui nourrit généralement les âmes de plusieurs personnes. Le pasteur du Foucault du Ciel, le plus haut Congo, ça fait longtemps, plus de deux décennies, qu'il est à l'étranger, au Congo-Brazzaville, où il prêche, il continue dans le sacerdoce. Pasteur, comment allez-vous? Non, nous allons bien par la grâce de Dieu. Alors, moi, ça me fait un grand plaisir de vous voir aujourd'hui. Ouais. D'abord, il y a cette vidéo. Ouais. J'aime Branham plus que Jésus. Mm-hmm. Et vous avertissez. Ouais. On dirait que vous avez vu ça. Je vais choquer certains. Ouais. Et effectivement, vous avez choqué. Ouais. Est-ce que ce matin, vous vous êtes décidé de choquer les gens ou les gens ont été choqués par cette vérité? Bon, en réalité, vous savez, vous êtes dans la communication. La communication est un instrument. Il faut savoir comment le manipuler, cet instrument-là. Alors, il y a ce qu'on appelle venir couper et faire dire à la personne ce qu'il n'a pas dit. Un peu de technique de KGB. Hein? Le coupage monstrueux. Voilà. Donc, on coupe, cracra. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est un truc qui date de très, très longtemps. Et je remercie tout d'abord le Seigneur parce que, en passant par chez toi, je sais qu'il y a un peu des gens. Voilà. Donc, on va parler et puis les gens comprendront. Alors, cette controverse, excusez-moi, a toujours pris de l'ampleur parce que ce n'est pas la première fois. Chaque fois que j'ai dit, chaque fois que William Branham n'a pas de remplaçant, après lui, c'est terminé. Chaque fois que j'ai dit ça. Et la déclaration qui suit après, et c'est ça. Donc, ça a mené des combats. Ça fait peut-être une dizaine d'années que nous sommes là-dedans. Maintenant, cette fois-ci, bon, j'ai vu que je suis vraiment connu même dans ce pays. Mais comment vous ne serez pas connu? C'est le Foucault du Ciel quand même. Non, je me disais que j'étais connu, mais pas à ce niveau-là. Ouais. Où c'est tout le monde, l'Internet est bloqué, c'est des injures, ceux qui maudissent, ceux qui bénissent, ceux qui disent. C'est... Moi-même, je, tu vois, de temps en temps, je ferme même le téléphone parce que ça vibre et vers 11h déjà, la batterie est terminée, des encouragements. J'ai même enlevé le WhatsApp parce qu'il y avait trop de gens. Et je n'encourage pas les gens, surtout à injurier les autres, ni de près, ni de loin. Alors, il y a d'autres messages. Je voudrais que cette émission soit en lingala et en français pour atteindre toutes les couches. Ouais. Il y a d'autres personnes qui disent Abandi ango lelo te makambo ba scandale bo ya bandango déjà depuis kala alobaka que vous avez dit Dieu au féminin et ça a scandalisé l'église parce que pour certaines personnes nzamba komi mwasi. Vous avez encore dit que le prophète le Christ pardon a fini sa course et s'est fondu dans Branham. Ça a même fait que batebele ba pasola ba essa ba c'est des nayo et on des alaga ba je sais pas. Aujourd'hui, vous êtes encore dans le même « J'aime Branham plus que Jésus ». Est-ce que au départ, est-ce que ce n'est pas faute na yomoko parce que on doit énoncer makambango pena ndenge sa angélité ou est-ce que ça problème na yomoko parce que c'est peli oye banana ba ndenge wana to pesa niveau ya batoza mukie bazo décontextualiser makamona yo to bazo longo ba contexte non. Ndeko Christian, tout le monde le sait. Ba to nyonso na mokili momba ba ebiété. Les focos du ciel, au Moussouba Komissi de l'enfer. Voilà. C'est un croyant du message du temps de la fin apporté par William Aaron Branham. Ça, il n'y a rien à discuter là-dessus. Personne ne peut vous enlever l'amour de Branham. Non, mais non. Mais attends. Attends. Comment est-ce que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit je crois le message qu'a apporté le prophète William Aaron Branham. Et chez nous, vous savez, nous sommes obligés de croire ça, ce qu'il a dit, parce que c'est un prophète de Dieu. Et il a été même dit
que Moïse, dans le livre des Actes des Apôtres, a eu des gens qui le répétaient dans chaque synagogue. Quand il parle, les gens répétaient, Moïse a dit. Et nous, nous prenons Frère Branham comme notre Moïse. Parce que Malachie 4 parle de « Voici, je vous enverrai, souvenez-vous de la loi de Moïse. » Donc pour nous, il n'y a pas à discuter là-dessus. Mais il y a de ces choses que Frère Branham a parlé. Vous voyez, il a parlé. Moi, je prends ça, je répète. Et ça crée le scandale. Mais c'est dû à quoi selon vous? Non, mais attends, il y a quelqu'un qui ne veut pas qu'on parle de Frère Branham. Il y a quelqu'un qui ne veut pas dans ce pays qu'on parle de William Aaron Branham. Qui? Non, je ne vais pas parler de lui. Tout le monde saura de quoi il s'agit. Donc, quand cette chose... Parce que, Yotalara, aujourd'hui, Fungo l'Internet, Yotala, quand on met la photo de Branham, chaque fois, on met le foco derrière. Regarde partout, partout, ça se passe là. Il y a quelqu'un qui était sorti à Brazzaville, Alingaki Abandako. Il a dit qu'il faut détruire William Aaron Branham. La première personne que lui, il commence à attaquer, il dit, qui dit le message de William Branham, il faut qu'on attaque les faux. Mais est-ce qu'on est fier et on a identifié comme branhamiste ou comme chrétien? C'est quoi le choix pour toi? Est-ce que tu es chrétien ou branhamiste? Chrétien Bosembe. Oui. Tu as déjà lu dans la Bible là où il a été dit, Paul posait la question au roi Agrippa. Est-ce que tu connais un peu le contexte comment il disait? Allez-y. Ô roi Agrippa, crois-tu au prophète? Roi Agrippa, crois-tu au prophète? Et bien, réponse de Agrippa, Pesagi. Ami Paul, tu veux me persuader à devenir chrétien? Donc, quand quelqu'un croit au prophète, c'est un chrétien. Est-ce que je voudrais que vous puissiez me répondre directement, sans. Je suis un chrétien. Est-ce que qui vous êtes croit le message de William Aaron Branham? Est-ce que vous pouvez Christ et Branham? Oui. Partagent la même pièce ou l'un est au-dessus de l'autre, de façon claire? Tala, le Sende. D'ailleurs, ça, ce sera pour enlever un peu les controverses de beaucoup de gens. Ouais. On va discuter calmement, Colombo, la pression et tout, Moukid Union, surtout. Très bien. Voilà. Tu vois, je mets ma main ici sur cette Bible. Ok. Et je regarde la caméra. Et je dis ceci. Moi, il faut que j'isole na Simon Pierre. Je n'ai jamais, mais alors jamais, que ce soit dans ma chambre, que ce soit au salon, que ce soit même dehors dans l'église, adoré William Aaron Branham. Ah, très bien. L'équivoque est levé. Non, je mets ma main sur la Bible. Et ce que je te dis, j'engage maintenant le ciel. Ok. Si je dis faux, l'obi n'a pas encore commenté. Ok. Toi, tu m'appelleras demain très tôt le matin pour peut-être venir vérifier. Je le dis devant caméra. Je mets ma main sur cette Bible. Je n'ai alors jamais. Il faut qu'on a besoin de moi. Il a été déjà baptisé au nom de William Branham. Ça vient d'une même église que nous connaissons. On en parle tout de suite. Ouais. Mais continuez le serment. Donc j'ai dit, je n'ai jamais, mais alors jamais. Si je l'ai fait le lot vendredi, n'a commencé à méditer na tongo. J'engage le ciel. J'engage aussi la terre et tous les chrétiens. Je ne l'ai jamais fait. Je n'ai jamais, mais alors jamais, été baptisé au nom de William Aaron Branham. Et vous n'avez jamais adoré Branham? Mais attends. Je l'ai dit, non, je l'ai mis sur la Bible. Ça ne dépend même pas de toi. Oui. Ça va au-delà de ce que quelqu'un peut parler. Je l'ai dit. Je l'ai dit dans plus de... Il y a même une petite vidéo de moi qui circule. Il faut qu'on est en train de dire que celui qui adore Branham est un animal. Ça se parle. Isali. Si vous avez fait cette vidéo, on l'a vu. Mais attends, comment, donc, c'est comme une contradiction, donc ça va un peu comme une contradiction. Mais pour vous, donc, vous n'adorez jamais Branham. Branham n'est pas Dieu. Attends. Je l'ai dit ici, oui. Christian, toi, tu n'es pas plus grand que la Bible. J'ai mis ma main sur la Bible, et si ce que j'ai dit n'est pas ça, l'obinga na tongo, nabima, très bien, évoluons. Natika bana nangai, tokende, et puis histoire ici, la kate, et si les... Bon, ben, l'ingé, ben, mon, alifo, côté, na, mon, kidé, ben, c'est pena. Ben, bête, ma, bon. Donc, c'est pour te dire que toutes ces choses ici, là, tout ce que nous voyons là, c'est quelqu'un qui y pense. Revenons dans ce que tu as dit, Dieu au féminin. Non, avant d'aller au Dieu au féminin, je voudrais d'abord te lever équivoque. Donc, Branham n'est pas Dieu. Est-ce que Branham est Christ? Christian, yo, ozo, lo, ba, ma, kambo, moi, je te l'ai dit.
Nature Boko Nicolas, Bible. William Branham, c'est un serviteur de Dieu. Okay. En qui Dieu a dit, confiez-vous à mes prophètes et vous réussirez. Et ça, bon mot. Donc, on t'enlève dans le lot de ceux qui prient Branham, de ceux qui adorent Branham. Mais on a autre chose à les amis. Très bien. Alors, si on a une contradiction. Il faut que l'on le loco bien. Ok. Alors, tout le monde. Et Zalina Bato. Ok. Et Zalina Bato. Christian, je crois que tu es intelligent et merci. Tu vas m'aider là-dessus. D'accord. J'ai dit ceci. J'ai une vidéo ici. J'ai une vidéo de Tommy Osborne. Je crois que tu connais très bien Tommy Osborne. Très bien. Tommy Osborne dit ceci. Je vais vous faire une vidéo et vous allez bien. Ou insérer moi-même dans quatre émissions. Alors, j'ai eu la révélation de Jésus-Christ. Je l'ai vu dans une vision. Je l'ai vu pour la deuxième fois dans un homme appelé William Aaron Branham. Et je l'ai vu pour la troisième fois dans la Bible. Et je l'ai vu pour la quatrième fois dans ma propre vie. Et c'est ce qui a catapulté mon ministère, même jusqu'au niveau de l'international. Question simple. J'ai vu Jésus venir sous la forme de Branham. Est-ce que ça veut dire que Tommy Osborne adorait William Branham? Non, ça ne veut pas dire. Jésus peut prendre plusieurs formes selon qu'il veut, selon sa souveraineté. Pourquoi le fait que quelqu'un dise, parce que ça va retourner dans beaucoup d'histoires, des questions à Lobaki, à Salaki, à Salaki, à Salaki. Tu sais, je l'ai dit même à notre honte, parce que dans le message de William Branham, nous on ne devait pas arriver à ça. Parce que le prophète dit que les vrais discutent derrière la maison. Discutent derrière la maison. Oui. Mais devant les gens, vous devez... Oui, spectacle, mon contrôle, nos herbons. Les autres, c'est pas de s'abissoter. Que ce soit moi, je suis le premier. D'ailleurs, dernièrement, j'ai vu un jeune, à l'équipe de la TV, à Denis Lesse. Je l'ai appelé. J'ai dit, si tu fais ça, tu n'as pas l'esprit du message. Tu ne dois pas injurier l'homme de Dieu. Si quelqu'un trouve qu'il peut parler en mal contre moi, laissez-le le faire. Et ce sera qui prouvera même ma bateau, ma route à l'abisso, ma comportement à l'abisso. Est-ce que Nazan est loca bien? Mais pour plusieurs, lui qui est dans Bali, vous sautez. Tant que tout le monde a dit au féminin, pourquoi choisir un thème qui va choquer les gens? Non. Entrons, si vous voulez. Oui, allons-y. Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Oui. Le premier homme, n'était-il pas femme et homme? Ça, c'est selon la Bible ou selon la révélation du prophète Branham? Quelle Bible? Quelle révélation? Oui. Je parle ici de la Bible. Allez-y, par exemple. Quand Dieu crée l'homme à son image, il le crée mâle et femelle. Ça s'écrit où dans la Bible? Dans la Bible. Oh, attends. Rappelle dans la Bible, là. Genèse chapitre 1, verset 27. Tu peux lire? Oui. Vous dites verset 27. Hein? Ouais. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il y a eux conjonction, pasteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a créé l'homme, puis il a créé la femme. Pas qu'il a créé l'homme dans la femme ou la femme dans l'homme. Expliquez-nous, c'est vous le pasteur. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Oui. C'est ça l'image de Dieu. Oui. Christian, tu parles français, tu lis français. Oui. L'image de Dieu n'est rien d'autre que le féminin et le masculin. Oui. Attends, parlons-nous français ou nous parlons quoi ici? Oui, là je comprends en tout cas. Non. C'est l'homme et la femme. T'es wana, bo changa satanana mutu. C'est comme si l'homme crée. La femme est à l'image de qui? De Dieu, bien sûr. De Dieu? Oui. C'est étonnant. Non, Dieu, c'est un homme seulement. Dieu, c'est un homme. Alors que lui-même, il le crée à son image et à sa ressemblance. Il crée l'homme et la femme. Cette dualité de personnalité, qui en réalité aussi n'est qu'une seule personne, c'est ça Dieu. C'est ça l'image même de Dieu. Parce que moi, c'est Outa qui n'a l'île. Mais Dieu est toujours identifié au masculin.
Attends, il est le père. Ça, c'est toi qui le dis. Toujours identifié au masculin. Ça, c'est toi qui le dis. Alors dites-nous là où Dieu s'est déjà identifié à une femme. Mais la Bible dit, quand Dieu dit dans le livre d'Ésaïe, je vous ai aimé comme une mère aime ses enfants. Et je vous allaite avec mes seins. Non, mais Dieu a dit qu'il est la mère aigle. Tu as déjà lu ça? Non. Dans la Bible? Dans la Bible, il est la mère aigle. Ok. C'est quel verset? Non, vas-y, toi qui as même la Bible là et tout, tu vas. Donc, pour vous, le scandale, c'est plutôt la compréhension des autres, mais yoté. Bon, français, parlons français. Christian Bossel. Dieu au féminin. Ouais. Et le féminin de Dieu. Est-ce que c'est la même chose? Non, c'est pas la même chose. Non, il faut le belabatou, parce que yo le bara français. Non, mais c'est pas la même chose. Dieu au féminin et Dieu. Le féminin de Dieu, c'est pas la même chose. Non, attends. Dieu au féminin. Mm. Ça veut dire Dieu faisant le travail de la maman. Mm. Je peux dire Christian, c'est la perfection au masculin. La Bible dit, je suis venu du Père et je retourne au Père. C'est faire la fonction, c'est faire le travail. C'est ce que la Bible dit. Jamais de ma vie, j'ai dit que Dieu était une femme. Je chante la chanson. Pour me sauver, pour me guérir, Dieu a été Dieu au masculin. Mais pour ce qui est de supporter mes erreurs, le voilà qui est Dieu au féminin. Voilà, c'est ce que j'ai chanté. Donc même le titre, si ça peut achoper, mais maintenant entrer, il y a le contenant et le contenu. Mm. Mais pourquoi Bab Debana et Zouta Kakanabatna bino un message? Mais c'est ça pourquoi le problème, c'est ça qui vous attaque. C'est ça, il y a un frère chez nous. Christian Bosse Menazo qui ne moussika par quatre chemins. Ouais. C'est le frère du Yoka? Il y a... Non, attends, Tikanan. Ouais. Il y a un problème de visibilité de leadership. Ok. Il faut quoi zo matazo kende wapi. C'est cela. Non, pour parce que, attends, Oyozo le Bawana. Tosi to kutana na moto a tchakanga lumbe lumbe na vilo. To solo li. Je lui ai montré tala. To solo la na ville dans un restaurant. To sengani ba pardon. Et on a prié. Ah bien, ah bon, c'était comme ça. Je dis, mais papa, il faut lire. Et nous parlons français. Je n'ai pas dit le féminin de Dieu. J'ai dit Dieu au féminin. Mais c'est du français. Mais pourquoi ceux-là qui sont du message ne peuvent pas comprendre ce qu'un autre frère du et message pourtant, dit? Et pourtant, ce sont eux qui devaient comprendre. Mais alors, donc il y a un problème. Donc, il y a un véritable problème. Ouais. Christian. Est-ce que Ascension, qui est pasteur, est dérangé à Batouté? Est-ce qu'on ne voudrait pas que tu restes musicien? Est-ce que le fait que l'on soit musicien ou pasteur n'est créé pas problème au niveau santé? Bon, ils ont les Kambouteaux qui étaient musiciens. D'ailleurs, musiciens, ils ont loupé Mami, ils connaissent les pasteurs. Hein? Ouais. Parce que, bisous, en tant que musicien, tu continues à baptiser dans l'eau là-bas, tu vas ôter à les sauter. Mais ils ont permission, pasteur, tu as baptisé. Parce que c'est tout le problème. Là aussi, on te traite d'un ingrat. Qui m'a baptisé? Le pasteur Barout, il t'aurait baptisé. Non, c'est pas lui qui m'a baptisé. Comment ça? Non, c'est faux. Tu as créé l'église sans sa permission. Christian. Et tu deviens aujourd'hui beaucoup plus grand que ça. Dites-nous la vérité. Non, qui t'a baptisé? Non. Hein. Non, c'est pas lui qui m'a baptisé. Celui qui m'a baptisé, c'est un vieux frère, Ngepa, de l'Équateur. C'est pas le pasteur Barouti? Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Mais pourquoi on dit que tu viens de là? Quand j'ai cru le message en ce moment-là, lui n'était pas encore pasteur. Mais pourquoi on dit que tu viens de là et que tu lui dois tout? Yokanan, Aibisa. Okuninga Mutunat. Oui, allez-y. Ce n'est pas lui qui m'a baptisé. Ce n'est pas lui qui m'a baptisé. Je l'ai dit au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le pasteur, le frère, en ce moment-là, nous l'appelions frère Ngepa. Et c'était sous la prédication de frère Kabasele. J'étais à l'église. 82 vers la fin 83, Nayoki parole, il faut que je prenne le baptême. Et nous sommes allés, il m'a baptisé. Au nom de qui? Au nom du Seigneur Jésus-Christ, bien sûr. Donc ceux qui disent que baptisons le débat. Posons en Alicamana, Ternasina, Tchaki, le Bourg, Nicolas, Bible. Ok, ceux qui disent que le pasteur Barouti, c'est faux. C'est faux. Ce n'est pas le pasteur Barouti qui m'a baptisé. D'accord. Donc celui qui le dit, c'est faux et archi faux. Est-ce que votre église vient de Rigini? Attends, Robin Abbé, tu l'histoire. Allez-y. Nous sommes arrivés à un temps, il y a eu division à l'église. Division. Et la division devait se faire Batoua Shekina Basi Babimi.
Ngana Tikali, parce que j'avais des choses que je devais vérifier avant de sortir. C'est comme ça que je vais sortir le jour où on a mis un pasteur. Je ne l'avais jamais voté. Quel pasteur? On avait mis le pasteur Barouti. Vous votez pasteur Barouti? Pourquoi vous votez un pasteur? Si, nous votons le pasteur. Si l'Église, dans sa majorité, vote un pasteur, et il est pasteur. Donc, ce n'est pas Dieu qui appelle, qui tout ça. Non, formule, non, c'est l'Église et l'Assemblée qui votent. C'est l'Église, elle est souveraine, elle choisit ce pasteur. Un homme qui a Dieu, un homme qui a la parole, fondamentaliste, et puis qui est bien marié, et tout, voilà, voilà. Avec un comportement bien et tout, et tout, et tout. Et bah, critère, on a tout, pasteur Barouti, qui n'a pas pour voter. Non, moi, j'avais mes propres raisons. Je suis sorti de l'église chrétienne. Je suis allé à Shekina. Et pas pasteur Diouka. Mais tout n'a pas dit que je suis. Je suis allé chez le pasteur Diouka. J'ai entendu même, pendant la même période là, nous sommes allés chez le pasteur Diouka. On nous dira que Diouka adore Branham. Ok. Christian, je n'ai jamais entendu le pasteur Diouka adorer William Branham. Ni dans sa chambre, ni dehors. Mais déjà en ce moment-là, ça commençait déjà à faire du bruit. Il y a même une émission que quelqu'un tournait là il y a 5 ou 6 jours au téléphone. Il ne veut pas se faire voir. Il dit même Diouka aussi, quand il était sorti, il adorait William Branham. Donc, ils ont obimi, ok, collé le loquana. Parce que Moutango s'est pelaté. Je dois adorer le Seigneur Jésus-Christ. Il y a comme qui a adoré William Branham, mais il y a un. Et tu as un normal, tu as un mot qui est là. Il va te lapider. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à un pasteur Baou, tu es bien? Papa, au-dessus de ma Bible, donc je ne compte pas beaucoup sa mission. Ou ça la politique. Attends. Il y a tout le monde qui a été l'histoire. Et je suis allé à Shekina où j'ai fait, je crois, 6 mois. Et de 6 mois, je suis allé au Congo. 91. Et je suis au Congo jusqu'à aujourd'hui. Et quand je partais au Congo, celui qui m'a fait la lettre me recommandant, c'était le pasteur Diouka. Ah, c'est pas le pasteur Barouti. Pasteur Lifoko. Mais assemblé la guitare là-haut. Vrai ou faux? Bon, je vais vous dire que je vais vous dire la guitare est en habité. Et na butu na moi je ne comprends pas. Pasteur Barouti a sambé la guitare na yo pour que yo comme un succès la musique. Ah. C'est ce qu'on nous a dit. Christian. Bon. Pasteur Diouka, pasteur Barouti n'a jamais prié sur ma Bible. OK. Sur ta guitare. Sur la guitare, je mets ma main sur la Bible. Jamais. J'étais parti voir le pasteur Barouti. Un pasteur Moko comme on a un bombo papa Mweli, un homme qui m'aimait beaucoup, et il avait des collaborateurs, des associés. Nakenda okutanana pasteur Barouti, et c'était pour un autre problème. Je lui ai dit, il m'arrive dans ma vie na yoka bamingongo, et ce voilà quand j'écoute, il s'avère que dans la vie normale comme ça ba voango ezoko kisam ezani. Moi, je ne me pas au Kabamingo parce que c'était pour la première fois. J'ai cru la parole, j'avais 15 ans. Et c'est le Koni Nangoana. C'est lui qui me dira que c'est un don de prophétie. Okay. Don de prophétie. Et il dit, on va prier pour ce don-là, de prophétie. Que le Lope Naza prophète te, Nasal Rava. Donc, prophétie te, et tout, voilà. Et il ne me connaissait pas en tant que celui qui joue la guitare et tout. Est-ce qu'aujourd'hui. Il chante, non. Alors. On a expliqué plusieurs histoires. Oui. Quel est l'apport du pasteur Barouti dans le ministère Nayo? Dans le ministère à Oteyabo. Oui, le ministère à Oteyabo. Mais je suis allé, c'est le pasteur Diouka qui m'a donné les papiers. Oui. Je suis arrivé là-bas, j'ai commencé l'œuvre et j'ai prêché. Le Lonaneng Église est comme mon aîné. Et il y a eu un temps, comme il y avait des bruits du Kambodja au féminin ici, et que nous avions arrangé ici. Il a fallu aussi qu'on arrange à Pointe-Noire. Voilà comment je vais appeler le pasteur Barouti. Il va venir. Et on a fait une campagne d'évangélisation. C'est pas lui qui a béni parce que le Batumso Balobi, depuis Atiam Kolonaïwana, alors l'église est fulluka, Batutubaya, ma délivrance à Kafoukafou, Bana ou ça l'a fait. Bon, que ça soit aussi comme ça, là, papa. Et Zalata Yango.
problème est annulé mon accord. Ce qui est comme et que par à partir d'ailleurs, nous avons eu comme une délivrance et cause à l'essai ou non que nous nous reproduisons selon notre espèce. Oui, mais est-ce que comme Bitumba parce que le but que y'a comme un gras aux oboïs là y'a le fait que c'est lui les remplaçants du prophète Branham, Yoboï Yango, et tu es même allé puiser des recherches dans les buts de démystifier, alors que c'est lui qui a dit que c'est lui les représentants du prophète aujourd'hui. Christian Bossel, ça c'est ce que je te dis ici. Ce sont nos vieux là, ce sont nos anciens qui nous ont appris ça. Que William Branham n'a pas de représentant. Ce sont eux qui nous ont appris ça. Et vous pensez qu'il n'y a aucun passage où Branham Yimorolba qui relève dans la Koya? Papa, attends. Il le dit. Il le dit. Que le Saint-Esprit, c'est celui qui viendra. Cette personne importante. Et nous en avons beaucoup de citations. Après lui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est venu présenter la plateforme. Bon. Nani koko ta tellement trotté dans mon camp. Nani to solana makambo zo sala rage mikolo oyo. To zongela nani. To zongela. To si si na Dieu féminin. Oyo ko lobali susu, Dieu a fondu. Christ aurait fondu pas aurait, au lieu de à fondre dans notre prophète Branham. En fait, moi personnellement quand on aura Kiango, ça m'avait un peu choqué aussi. Mais je suis allé suivre quelques prédications et un prophète et ainsi de suite. J'ai vu qu'il y a une place où lui-même le prophète était en train de dire la même chose. Alors, je voudrais savoir exactement. Encore une fois, la question revient. Ouais. Pourquoi quand c'est toi qui dis, ça crée un scandale? Pourquoi quand c'est moi qui dis, ça crée un scandale? Oui. Ça, c'est même un forum de discussion des frères des États-Unis. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Bakati vidéo, Batinde Abi, Botobota, la Motunabino, Yazo, le Bakakabi, le Baloba, la Fingi, comme d'habitude. Mais il y a eu des frères très intelligents, un peu spirituels, beaucoup spirituels, qui ont dit, oh, on ne peut pas condamner quelqu'un si vous ne l'avez pas encore écouté. C'est comme ça que ils ont retrouvé, là où Frère Branham lui-même parle de ça. Ok, dites-nous. Il dit, and sound like that, sound barrier breaking, that a great roar went off, way in the distance to the south. And when I was lifted, and there was such a terrific speed of the angel, and I can just see them right now, see, as they were coming in the ship like that, just sweeping right into me. Ils se sont fondus en moi. En français, on dit, et un bruit comme le mur du son est franchi, et un grondement assourdissant a retenti loin au sud. Et quand j'ai été soulevé, il y avait la vitesse tellement foudroyante des anges, et je le revois très bien. Et en ce moment, voyez-vous, alors qu'ils venaient dans cette direction comme ça, et qu'ils se sont fondus en moi. C'est dans l'opprobre pour la parole prêchée, le 23-12-63. Donc voilà, ce n'est pas moi, c'est Frère Branham. Comme tu l'as dit, pourquoi il faut qu'on l'a dit, ça devient un problème. Alors que Kolo Makambu, c'est celui qui l'a dit. Pourquoi ne pas s'attaquer directement à lui? Pourquoi dire, alors que nous avions été enseignés, que quand nous prêchons, nous devons répéter ce que le prophète a dit. C'est ce que j'ai fait. Christian, là c'est un autre chapitre. Excusez-moi d'en parler. Il y a des pasteurs qui ont fait des déclarations, nos anciens, des milliers de vidéos, que quand quelqu'un dit qu'il corrige Frère Branham, des gens sont allés très loin pour dire que celui qui le fait est malade mentalement. Nous en avons des vidéos. Oui, il y a des gens qui ont dit ça, effectivement. Oui. Mais jusqu'aujourd'hui. Mais personne ne s'attaque à ces gens-là. Je dis bien personne. L'Ifoko a dit, par rapport à l'expérience de Paul, Paul le dit quoi? Même si nous-mêmes, même un ange du ciel descendait. Si je viens vous prêcher un autre évangile. Si je viens vous prêcher un autre évangile que ce que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. C'est ainsi que j'ai dit, William Branham comme Paul, si quelqu'un vient pour le corriger, alors il est anathème. Mais lui-même, le prophète, se serait corrigé. Le pasteur Kassamba a dit que le prophète Branham s'est corrigé plusieurs fois, s'est trompé. Le pasteur Barouti a même dit qu'il corrige le prophète Branham. Le pasteur Barouti a même dit que le prophète Branham serait
je dis ça au conditionnel, raciste. Et qui dit, je le corrige ici, je le corrige. Tout le monde a vu, mais alors, lui, pourtant, il n'est pas anathème. Et quand il perd un message, les gens s'agitent, ma télémie, dans un mouvement. Pèse bilan, qu'on pèse ça. Alors, on dit quoi dans ce moment-là? Bon, tu vois même les histoires de Difoko et tout ça, ça c'est de la fuite en avant. Hein? Nous avons un vrai débat. C'est celui dont tu viens de dire. Ouais. Le vrai débat, est-ce que William Branham... Parce que moi, je ne peux pas accepter de suivre un homme comme William Branham étant raciste. Je ne peux pas accepter ça. Est-ce que tu préférerais que je te lise ce que Branham dit sur la race? Je voudrais bien. Ah ouais? Je voudrais bien. Et aussi, moi aussi, je vais lire deux, oui, trois versions. Oui. On y va. Allez-y. Oui. Certainement, peut-être qu'ils t'ont donné des citations ou comment. Mm. Alors, il dit ceci. La brèche entre les sept âges de l'église et les sept sceaux. Prêché les dimanches 17-3-63. Suis-moi très bien. Allez-y. Mais quand l'homme blanc est arrivé, le renégat, c'est l'homme blanc. Le scélérat, c'est lui. Alors il est arrivé, il a exterminé ses bisons, il a affamé les Indiens. Tout homme qui se respecte se battrait pour défendre le droit qu'il a reçu de Dieu. Ce qu'ils ont fait à l'Indien d'Amérique, c'est une tache sous le drapeau américain. Après tout, cela lui appartient. Okay. Frère Branham, hein, il ajoute encore ici quelque part, il dit... C'est pas possible. Il dit, votre vie est-elle digne de l'évangile? Prêchez le 36-63 le soir, paragraphe 142. Au cours de mon voyage en Afrique du Sud, je n'ai pas trouvé un seul cas de maladie vénérienne. Ça n'existe pas parmi eux. Vous voyez, ce sont nos habitudes sales essuyées de blanc. C'est vrai, on s'est éloigné de Dieu. Celui qui parle là, ce n'est pas un noir. C'est un blanc qui condamne sa race. Il ajoute encore, Apocalypse chapitre 4, 3, paragraphe 75, je vais te donner tout ça là. Mais maintenant, si l'homme blanc est passé par là, là où l'homme blanc va, le péché l'accompagne. De tout le peuple de la terre, l'homme blanc c'est le plus grand meurtrier et le plus grand assassin de toutes les races. C'est lui le renégat. Ça c'est bien clair. Mais dites-nous alors au sujet du mariage. Non. Attends. Avant d'arriver tout d'abord au mariage, Christian, pourquoi tu es pressé, tu veux terminer les choses? Non, pas si vite. Celui qui parle ici, c'est un blanc. Okay. C'est un Américain. Ouais. Il dit que s'il y a quelqu'un de mauvais sur toute la terre, c'est le blanc. C'est lui, donc lui, donc le blanc. Ouais. Hey, la race. Sa race à lui. C'est pas fini, hein, ce n'est pas fini. Il ajoute encore. Il ajoute, il dit ceci. Oh mon Dieu, mon roi. Rendre service à Dieu en dehors de sa volonté. Prêcher le 18-7-65 le matin, paragraphe 136. Ils ont dit qu'ils allaient l'Amérique. On dit que Dieu bénisse l'Amérique. C'est une nation, c'est un pays chrétien. C'est à 1 million de kilomètres d'être un pays chrétien. Je ne prie même pas pour cette nation. Comment puis-je prier pour elle? Elle ne veut pas se repentir sous l'effet de la grande puissance de Dieu démontrée devant elle. Elle réunit cela. Elle ferme les portes et cela s'en éloigne. Je la confie à Dieu. Elle s'éloigne davantage et maintenant elle va sombrer. Observez ce qui arrive. Pour un Américain, il dit, je ne prie même pas pour ce pays-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit de l'Afrique? Dieu projetant son amour. Laissez-moi me défouler. Allez-y. Paragraphe 44. Il dit, bon, accordez-moi votre attention s'il vous plaît. Juste un moment, vous tous. Croyez, soyez tous attentifs, vous tous, croyez, regardez à Christ. Dites, Seigneur Jésus, je suis dans le besoin. Et nous sommes dans un jour où j'ai pitié des gens. Quelqu'un dira, voici les chemins, voilà les chemins. C'est nous qui avons la vérité. Nous avons. Ces pauvres gens ne savent où aller. Les Américains, les Canadiens sont les gens les plus embrouillés du monde. C'est vrai, les plus embrouillés du monde. S'il y a un endroit où les missionnaires sont à leur place, ce n'est pas en Afrique, c'est sur le continent nord-américain. Waouh. Ça, c'est un raciste qui dit des choses comme ça. Là. Frère Bernard m'ajoute, il dit ceci. Apocalypse chapitre 4, verset 1, paragraphe 13. N'est-ce pas quelque chose? L'Afrique est obligée de nous envoyer les missionnaires en Amérique. C'est ici l'endroit où on en a besoin, juste ici. C'est pire qu'ailleurs. Ça, c'est un raciste qui parle. Christian, c'est le message que Pesabiso Batumindo Lolendo.
Moi, quand j'arrive aux États-Unis, je dis, je suis l'accomplissement de ce que Branham a dit. Vous, les Blancs, taisez-vous, écoutez-moi prêcher. Tel que je te l'ai dit, là. Oh, mais je... Attends. Moi, le fond de vos paroles, le Pessingayon. Que c'est l'Afrique. L'Afrique. Parce que les Blancs croient que, comme le mouvement est venu de chez eux, nous, on n'a rien à dire. Alors que William Branham dit, l'endroit où les gens ont besoin plus de l'évangélisation, c'est là-bas. Christian, je continue. Permettez-moi. Oui. Permettez-moi de dire ceci parce que c'est très important et très, 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 très capital pour nous. Il est dit ceci. Il y a quelque part ici. Hébreux chapitre 7, partie 1. Ça, c'est sa prédication. Paragraphe 47. Depuis lors, mes réunions connaissent une baisse. Bien que je sois allé en Inde et que j'ai eu près d'1 million de personnes qui se tenaient là, cela n'a cependant pas été ce que Dieu m'avait dit de faire. Et je sens que mes réunions ne seront jamais un succès, à moins que je ne fasse tout de suite demi-tour et ne remette les choses en ordre. Peu importe ce que je fais, c'est d'abord l'Afrique. Ça, c'est le prophète Branham qui dit au sujet de l'Afrique. Il dit que le message n'a pas eu de succès en Amérique. Dieu m'a dit que pour que nous ayons un succès, il faut qu'il y ait en Afrique. Bissonde batou toujours ça, le message, ou nezala, message. Il a dit en son temps. Et s'il y en a un, on va terminer par là. Parce que yo tumbolingaï. Le problème, il y a un prophète qui dernièrement, Zofingangaï. Il faut que tu es maudit. Et ceci, d'ailleurs, Moutunabino Moura le big Branham a raciste. Besoin de mela kaiponanin. Quand il y a erreur, nous devons voir de quoi il s'agit. Parce c'est que quelle erreur? Pour le pasteur Baruti, Branham était un raciste. Voilà. Je vous montre ici, là. Alors, il y a une église qui a un succès. Il y a ceux qui ont été en Congo. Il y a dit que Branham allait là au Congo. Mais il était au Congo. Il y a dit qu'il allait là au Congo. Ok. Il y a dit qu'il y a une qualité au Congolais. Natangi long. Tanga. La reine de Séba prêchait le 17-60 paragraphe 22. Abi, oh, les Américains ont été enseignés de diverses manières. C'est ce qui rend la chose difficile. Aller en Afrique, au Congo belge ou au Tanganyika, c'est-à-dire. Ah, Tanganyika. Téléphone mon. Nalu Bumbashi écoute na kaji. Téléphone mon. Tanga. Reine de Saba, reine de Séba. Or, les Américains ont été enseignés de diverses manières, ce qui rend la chose difficile. Ouais. Aller en Afrique, au Congo belge, ou au Tanganyika, ou n'importe où, vous allez dans l'un de ces pays qui n'ont pas été endoctrinés de diverses choses. Papa, il y a Sologo. Akoumis Bissoba Congolais, dans la manière de Bissoboué, Nzala, Tozol, les Lababilo, Kwangwana, les Lobanzam. Et Zaka Yangwanate, Yokanan, Otangelanga, montre-nous le Père et cela nous suffit. Yokaka Marambazo Loba Awa, Tangelanga, paragraphe. Je sais qu'il fait, je sais qu'il fait terriblement chaud cet après-midi. Ouais. Mais vous serez surpris de voir combien ici c'est différent de ce qui se passe au Congo belge, où les gens viendraient. Et là, en Afrique du Sud, ils viennent un matin. Et ils s'asseyent par terre pendant toute la journée, sous ce soleil ardent et brûlant. Pas juste pour un jour, mais ils attendent là 2 ou 3 semaines mon arrivée dans le pays. Ils traversent les jungles, transportant leurs bien-aimés sur des planches et tout. Quand un lion surgit, ils les hissent dans un arbre et ils attendent peut-être un jour jusqu'à ce que le lion s'en aille. Ensuite, ils redescendent. Peut-être ils avanceront un petit peu. Ils chercheront un cours d'eau pour se désaltérer. Et un crocodile attrapera l'un des enfants. Mais ils continueront leur marche. Voyez-vous, ils feront un deuil de quelques heures et ils comprendront que c'est fini. Ils iront de l'avant. Voilà les gens. Ils s'en fichent de la chaleur. Ils cherchent à trouver la vie. Voyez-vous, ils cherchent à trouver quelque chose qui donne la paix et qui surpasse toute intelligence. Voilà. Yoka Kongo. Nebrana Matomboliko. Est-ce que Fichio et Abetueza Lukuta? C'est ça le coup. C'est ce que nous sommes. Hein? Prêt à écouter le message. Tout, prêt. Donc,
Les Occidentaux ne nous aiment pas. Partout. Lui, il vient et il nous élève. Donc, il n'est pas raciste. Non. Il y en a nos stocines ici de Kamangote. Mais il faut aussi le savoir. Ok, tout aussi le savoir. Écoutez, ce que Frère Branham dit. Parce que nous avons un mariage. Moi, je suis là pour toi. Frère Branham a dit ceci. Question et réponse. De 3154, paragraphe 165. Qu'est-ce qu'il dit de l'homme noir? Où considérer les Indiens d'Amérique? Bon nombre de ces. Point d'exclamation, les Navajos là-bas, c'est une race de gens plus sombres que nos hommes de couleur éthiopiens. Les Navajos dans ce pays, les Apaches sont, ils sont un peu d'un teint cuivré et les différentes tribus, voyez-vous? Ainsi, juste là, parmi les Indiens, ici même vous trouvez ceux qui sont noirs et presque, et les Cherokees, et presque aussi pâles que nous. Les Cherokees, je crois. Et ici même dans ce pays, il y a différentes tribus. Vous ne pouvez pas dire que ceux-ci sont à moitié maudits et que ceux-là sont complètement maudits. Ce n'est pas que l'on soit maudit parce que l'on est noir. Ce n'est pas que l'on soit maudit parce que l'on est jaune ou parce que l'on est blanc. Il n'y a qu'une seule malédiction que je connaisse, c'est l'incrédulité en Jésus-Christ. Voilà. Non, même lui-même ne reconnaît pas. Non, il ne reconnaît pas. Il reconnaît pas ça. Il reconnaît pas ça. Christian. Donc pour lui, être la malédiction, ce n'est pas question des races. Non, mais plutôt, attends. Il y a quelqu'un ici qui disait même une discussion. Il est entré dans un restaurant. Avec une discussion. Et les gens disaient, Batumou de Bozomona, il découle des singes. Frère Branham dit, et ensuite, je me tenais là, je n'avais que 2 mois dans l'évangile. J'ai dit, je ne voudrais pas vous contredire, messieurs, je ne suis pas un étudiant. Je viens juste d'être sauvé, mais j'ai dit, s'il en avait été ainsi, alors la race noire aurait cessé d'exister lors de la destruction du monde antidéluvien, lorsque le monde fut détruit par l'eau, car Noé et sa famille furent les seuls à se retrouver dans l'arche. La race noire aurait cessé d'exister, j'ai dit, s'il en avait été ainsi. J'ai continué, non, monsieur. La race noire ne vient pas de là, jamais. La race noire comme la nôtre provient du même arbre. Et tous les êtres humains proviennent du même arbre. Il y a des différences, c'est exact. Nous sommes simplement, l'un peut être jaune, l'autre brun, l'autre noir, l'autre blanc, l'autre pâle, un autre rouge, ainsi de suite. Mais vous provenez tous de ce même arbre. C'est simplement cette partie physique, c'est vrai. De toute façon, ce sont des êtres humains créés ici par Dieu. Alors, parle-nous du mariage. Quelle est la pensée du prophète au sujet du mariage? Il dit ceci. Je crois que vous aimeriez vraiment entendre comment il est en train de parler de ça. Oui. Le troisième exode. Je sais que Christian, tu es intelligent. Merci. Ce n'est pas parce que tu es mon petit et tout. Je t'appréciais avant. Et je sais que cette émission qui sera suivie par bon nombre d'intellectuels et tout, des gens. Peut-être pas aussi des intellectuels, mais des gens qui aiment. Oui. Toi, quand tu as écouté même la vidéo là, ton étude était que non, on a coupé cette vidéo. Ouais, tout de suite. Est-ce que tu ne peux pas m'envoyer la suite? Je t'ai envoyé la suite. Et dans la suite, je ne disais pas ce que les gens sont en train de me faire dire. Voilà. Écoutez maintenant ce que Branham dit. Et tu vas analyser à ta manière, toi qui n'es pas du message. Franchement, paragraphe 65, la race noire a beaucoup plus de qualité que la race blanche. Ils ne se font pas de soucis, ils sont plus spirituels. Ils ont 1000 qualités que l'homme blanc ne peut pas avoir. Dieu les a créés ainsi. Qui pourrait mieux chanter qu'une chorale des gens de couleur? Où peut-on trouver de telles voix? Je les ai vus venir de contrées lointaines. Ils ne savaient même pas distinguer la main droite de la main gauche. 30 ou 40 tribus différentes, ils ont chanté de telle manière que les maîtres qui se tenaient là ont dit, je ne peux pas égaler cela. Ils ont formé des chorales pendant des années. L'un aura une note plus élevée, l'autre plus basse. Écoutez ça, c'est vraiment parfait. Même dans une langue différente, ils sont doués. Ça, c'est Branham. Alors maintenant, nous arrivons au mariage. Il est dit, mon Dieu, mon roi,
C'est ici que j'aimerais vraiment que beaucoup de gens puissent nous suivre avec beaucoup d'intérêt. Parce que le pasteur Baout, il a corrigé sur ce côté raciste. Non, on va y arriver. Allez-y. On va y arriver. La condamnation par représentation, paragraphe 111. Les gens seraient beaucoup mieux si on les laissait simplement tels qu'ils sont, tels que Dieu les a créés. Que la race brune se marie avec la race brune. Que la race blanche se marie avec la race blanche. Que la race noire, la race jaune et toutes les autres restent telles que Dieu les a créées. Si la violette, Dieu l'a créée et qu'elle était blanche et qu'elle reste blanche. La fleur, qu'elle soit bleue, noire, brune ou quoi autre, laissez-la telle qu'elle est. Si le maïs a été cultivé d'une certaine façon, si c'est du maïs jaune, ne le croisez pas avec du maïs blanc. Si vous le faites, vous mélangez ça. Alors il ne peut plus se reproduire à son tour. Ça c'est un. Il dit ceci, un paradoxe, paragraphe 76-76. C'est comme je le disais, Dr Martin Luther King est en train de conduire son peuple à une crucifixion. C'est du communisme, certainement. Si ces gens étaient des esclaves, alors je serais là à combattre pour eux, c'est vrai. Ils ne sont pas des esclaves. C'est un débat au sujet des écoles qu'ils fréquentent ou pas. Je ne vais pas parler de cela. J'ai simplement pensé exprimer cela. Voyez-vous, très bien remarqué, c'est simplement le diable, certainement. Nous sommes tous des êtres humains. Nous venons tous de Dieu. Dieu a fait sortir toutes les nations d'un seul rang. Un homme de couleur peut me donner son sang par la transfusion. Son sang est exactement comme le mien. Le mien est simplement, je peux lui en donner. Que puis-je pour discuter? Il est mon frère. Cependant, je ne crois pas dans le fait de se marier et de faire des mariages mixtes avec eux comme cela. Je ne crois pas qu'un blanc. Qu'est-ce qu'une jeune belle fille noire, intelligente, a à épouser un blanc pour avoir des enfants mulâtres? Je comprends maintenant le sens. Qu'est-ce que, tu comprends, non? Je comprends le sens. Déjà qu'il, pour lui, l'homme noir ou la race noire est spirituelle. Très spirituelle. Et que la race blanche, elle est perdue. Pourquoi? Pourquoi vous devez vous mélanger avec ces gens? Ah, c'est un culte. Ah. Papa, donc, je ne comprends pas. C'est-à-dire, Christian Bossembe, moi, c'est ce que j'ai lu. C'est ce que j'ai compris. Et c'est ce que je te fais voir. Quand toi, tu lis, tu écoutes Frère Branham. Il magnifie cette race noire. Bon, laissons un peu tout d'abord Branham de côté. Je ne dis pas que nous allons plus le croire. Mais allons maintenant aux études. Les études faites, que ce soit même par des psychologues, des sociologues, on dit que le mariage mixte est un échec déjà dès le départ. Ça n'a jamais abouti à 1000%. Pourquoi? Parce qu'il y a un choc culturel. Ouais. Ouais. Ceux qui réussissent sur l'échelle des 100%, c'est à peine peut-être 10%. Bah ça, on le voit même partout. Hein. On voit que ça ne marche pas parce qu'on n'a pas les mêmes croyances, on n'a pas, les mêmes sensibilités. Ouais. On n'a pas les mêmes sensibilités. Mais déjà, à faire du prophète raciste, ça vient d'où? Cette conception vient d'où? Moi, je vous ai lu ici que Frère Branham n'est pas raciste. Frère Branham ne sera jamais raciste. Ça, c'est ce que moi, j'ai lu. C'est ce que j'ai lu du mariage. Il dit l'homme, la femme noire. Belle et intelligente. Belle et intelligente. Pourquoi elle peut accepter ça? Je ne vais pas entrer même dans des choses que nous avons dans notre pays à cause de hein? Quoi? Non, je ne vais pas. Des pères et des mères? Non, je ne veux pas de ça. Christian, je ne veux pas. Mais Branham nous dit qu'une femme noire qui résonne bien ne peut pas accepter cela. Alors, on a compris ce message. Tout compte à ce qu'on a deux, la troisième pan pour terminer l'émission. 10 minutes, tout ce qui est long. J'aime Branham plus que Jésus. Parce que c'est ça le sujet. Ouais. J'aime Branham plus que Jésus. Branham ou rien. Ou se prêter les bus au serment de la Bible, te comprendre. Déjà, on ne peut plus rentrer là-bas. Ou se expliquer les déjà sur la question, il y a un chrétien, ou il y a Branham, Branham, Zanzambete, Azabé, Jésus, Azab plutôt serviteur. Mais tout le monde, il y a un j'aime. Est-ce que il y a un Christ au Zanzambé? Si, on est tous des dieux, mais la image est en coloté. Ah oui. Disons, pardon, la dimension en coloté. Non, non. Alors, mais si vous avez le binabus, moi-même, j'ai prêché. J'ai dit que Moïse était Dieu. Et Dieu a fait de Moïse Dieu et Aaron son serviteur. C'est de cette manière que nous aussi, nous pouvons dire Branham était Dieu. Et ses serviteurs, nous autres qui prêchons, nous sommes ses prophètes. Mais en aucun cas, l'adorable, le louable, l'élevable, Christian, il y en a.
Donc, c'est vraiment de la mauvaise volonté, comme on le dit. Il y a des gens qui assument, pasteur, moi, j'ai vu des gens du message dire que Bazali, 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 Bazali. Mais pourquoi ça n'a pas fait autant de débats? C'est là où tu comprends, non? Que les Cambodges, les Cambodges, ils l'ont battu. Je vais aller, et c'est même à mon regret que je révèle ce genre de choses à la télévision. Christian Boussembe, tu sais, quand ces choses ont commencé, je suis allé, j'ai été invité à la police nationale par le colonel Henri, qui n'est plus d'ailleurs de ce monde. Il m'a dit, pasteur Lifoko, dans votre message, il y a un problème de leadership. J'ai dit, mais s'il y a des leaderships, moi je ne suis pas chef. Je ne suis rien, mais alors zéro. Je me débrouille avec moi qui me bamba la voiture. Je me débrouille avec une petite église. Je me débrouille avec ma petite maisonnette et mes enfants et tout. Il y a des grands pasteurs. Pourquoi il dit, faites extrême, je te le dis. Laisse-moi remettre la Bible dans ma main. Okay. C'est la troisième fois que vous touchez la Bible pour faire une déclaration. Il dit, faites attention, les gens de votre église, et il a cité nommément la communauté, ils chercheront même à te tuer. Tu es un élément gênant. Je te le dis, je ne l'ai pas écouté seulement de lui-même. Et je prenais ça comme de la blague. J'étais là avec un certain frère, Miyavanga, on écoutait ensemble. Lui me dit, pasteur, ce colonel a fait la criminologie, faites attention avec lui. Il dit, pasteur, il faut que je ne vais pas tout te révéler. Moi, j'ai fait la criminologie en Europe, je connais de quoi je suis en train de parler. Donc, il y a un pasteur du message qui cherche ta peau. Je n'ai pas dit ça. Mais j'ai dit seulement qu'il y a des gens dans ce message qui ne veulent pas que je vive. Mais pour vous gêner qui? Attends. Vous êtes au Congo Brazza, vous n'êtes pas au Congo ici. Yokana Betelomo, je suis allé à Lubumbashi. Beaucoup de pasteurs sont venus à la maison. Je les ai reçus. On a prié, ils sont partis. On m'a mis le riz à manger. Christian Boussin. Je prends la fourchette, je mets le riz comme ça. C'était des tessons de bouteilles. À vous, on a fait ça. Et je l'ai dit même vraiment notre regret. Parce qu'on ne pouvait pas arriver à ça. On ne peut pas arriver à ça. J'ai pris comme ça, j'ai mis, c'est des tessons de bouteilles, plein dans la marmite. On a dit, non, mais il faut quand même que nous puissions aller voir. Le sac de riz, on a fait sortir le sac, on a regardé, il n'y avait pas de tessons de bouteilles. On a regardé dans la marmite, on a regardé, il y avait juste des tessons de bouteilles, de couleur blanche. Hein. Ça fait un peu comme le riz, tu ne peux pas voir ça. Ça ne s'arrête pas là. 4 jours après, la nuit, des gens armés sont venus. Peut-être nous ne sommes pas là pour passer à la télévision, vous dire, regarde, et tout. Nous ne sommes pas trop médias. Les gens ont crié avec larmes. Donnez-nous, il faut qu'on nous envoie, on va terminer avec lui. Du vécu comme ça. Et vous avez fait quoi en ce moment-là? J'étais là. Vous réalisez que c'est la fin. Là, c'était la fin. Ils sont allés vers ma chambre, là où j'étais, ils ont cassé. Même les gens qui commentent, là, il faut que ceci, il faut que... Mais vous devez faire extrêmement attention. Bon, je n'ai pas peur de mourir. Mais il arriverait peut-être que je meurs. Non, vous devez faire attention. Ces histoires, comme l'a dit Israël, ne vous concernent pas. Oui, mais c'est ça que je voudrais et vous savoir. Voyez des tenailles d'aboutissants que vous ne comprenez pas. Ça ne nous concerne pas comment. On parle du Parce Christ. Que vous, non, ça nous intéresse. Attends. Parce que vous avez dit que vous aimez Jésus plus que Branham. Ça nous intéresse tous en ce moment-là. Attends. Parce que quand les gens disent que Branham est Dieu, on n'a pas de problème. Mais quand vous dites que j'aime Christ que Branham, on se dit, mais oh là, on est où? Ça, je l'ai dit. Toi, tu as écouté la vidéo. J'ai ma conception. Oui. On m'a insulté aussi. Oui, tu comprends. Quand quelqu'un arrive à injurier, à maudire les gens et tout, ce n'est plus chrétien. Ce n'est plus chrétien. J'ai été braqué comme ça. Oui. Il y a mon jeune, mon fils là, qui est aigle, qui est là. C'est celui qui s'est placé entre l'arme et moi. Ok. Il s'est placé entre l'arme et moi. Ce que je vous dis ici, ce n'est pas des pipeaux. Donc quelqu'un voulait votre mort.
Simplement. À ma mort physique comme ça. Simplement. Donc, simplement. Disparaissez, c'est bon, on est en paix. Il faut qu'on dérange. Donc, ça ne m'étonne pas que de voir des gens, ils dorment, ils se réveillent, ils prennent les choses du message. Mais pasteur, yomoko, ozo dérange nani. Yomoko personne. Maintenant, on sent l'examen de conscience, na yo. Ozo dérange nani. Selon ce que les anciens nous ont enseigné, que quand Dieu élève un frère où il est béni, nous devons être là pour le soutenir. Donc pour moi, je ne comprends pas pourquoi cette haine viscérale. J'ai suivi le pasteur Denis Lessie. Oui. Il a fait une émission. Les enfants m'ont amené ça, regarde ce qu'on a fait avec lui. Et il a dit dans son émission, le dernier. De même, moi, je ne comprenais pas l'Ifoko. Mais j'ai compris. Mais tout ce que je veux lui dire, qu'il fasse extrêmement attention. Je veux le voir pour lui dire des choses. Et il doit faire extrêmement attention. Ça, c'est la unième personne. J'étais là. Quand les gens sont venus par la fenêtre, ils ont cassé. L'Ifoko, il est où, l'Ifoko? Ma femme qui était là, je l'ai tenue par la main. C'est moi qui l'ai entraîné dehors. Mais ils ne m'ont pas vu. Gloire à Dieu. Mais pourquoi ça? Ça serait mal tourné si ils étaient tombés sur toi. On parlerait autre chose. Christian, je vais t'envoyer des voices. Ouais. Tu vas entendre. On te menace de mort. De mort. Par quelle communauté? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez identifié ces gens? Ils se réclament de quelle communauté? Je ne sais pas. Parce que Yopena Rigribo, Moussa Tetilelo. Chez nous, hein, dans le message, on ne peut pas être d'accord avec un frère. C'est permis. C'est permis. Je ne peux pas être d'accord avec le pasteur Barouti. C'est permis. Mais aller jusqu'à il ne peut la pas mort, être d'accord avec moi. C'est permis. Mais aller jusqu'à souhaiter la mort, c'est autre donc, chose. Donc, je ne veux pas être d'accord avec le pasteur telle autre communauté. C'est permis. Moi, je parle par la bouche. Et ça s'arrête là. Moi, je viens, je prêche dans mon église. J'ai dit ceci. Que je veux choquer quelqu'un. Oui. Je peux vous dire que j'aime Frère Branham plus que Jésus. Et j'ai dit, hein, quelqu'un est en train de me regarder, oui, est en train de dire ici, qu'est-ce qu'il dit? Je veux vous dire simplement parce que Jésus lui-même a dit que vous pouvez parler en mal contre le Père, vous pouvez parler en mal contre le Fils, mais quand le Saint-Esprit sera venu, parler en mal contre lui, ça sera un péché impardonnable. C'est de cette même manière que Dieu lui-même, Jésus, parfois, il veut que nous aimions ses enfants plus que lui-même. C'est ce que Dieu veut. Tel que moi, j'aimerais que vous aimiez mes enfants plus que moi. Voilà toute la vidéo. Alors, est-ce que par analogisme, que Branham a moins à Yesu? Bien sûr. Que faut que l'inga moins à bien sûr. Bien sûr, c'est ce que je disais. Mais pourquoi tu n'as pas commencé à Kanaya Ngomba? Mais pourquoi ils n'ont pas pris toute la prédication? Christian, ça n'a rien à voir avec Obandi Wapi, non. Ici, c'est dans l'intention de nuire. Mais pourquoi chercher un frère de cette manière? Pourquoi? Dans le message de Branham, ça n'existe pas. Frère Branham, on ne peut pas faire ça. Christian Bossemé, on ne peut pas faire ça. Couper, tordre tout, ça ne peut pas se faire. Même que ce soit notre propre message, on ne peut pas le faire. Fais-te dire à ton frère. Regarde, je vais te dire quelque chose que Frère Branham a dit. Dans un premier temps, ça va te faire même choquer. J'ai dit, Christian Bossembe que vous voyez est plus que même le sang de Jésus. Regarde, je l'ai dit. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Pourquoi? Parce que Frère Branham me dit, entre la marchandise et le prix, la marchandise a plus de la valeur que même le prix payé. Jésus a donné de son sang pour avoir la marchandise. C'est comme ça, quand il a eu Christian, il s'est séparé même du prix qu'il a payé. Donc, Christian a de la valeur devant Jésus, plus que même son propre sang. C'est ce que Branham nous a dit. Maintenant, quand je n'ai pas terminé ma logique, quelqu'un vient, Christian Bossembe est plus que le sang de Jésus. Crac. Ouais, ça semble dans un autre sens. Hein. Et ça amène tout le monde à te haïr. On l'a dit par pasteur Belé, Moussousso. Pasteur Marcelo Alobi, Branham n'est ni Saint-Esprit, ni Christ, ni Dieu. Êtes-vous d'accord avec lui, oui ou non? Pasteur Marcelo, quoi, je ne veux pas entrer dans des histoires de parce que la monnaie de Bagazo finga na kuna na kati et tout. Je ne veux pas trop citer aussi les noms des gens. Je ne les connais pas. Il ne me connaît pas et tout. Je ne les connais pas. Mais ce qu'il dit, ça n'engage que lui. Nous croyons le ministère du Saint-Esprit.
J'ai ici une vidéo d'un rabbin juif. C'est là où je vais descendre maintenant sur ce que, comment nous croyons Jésus. Oui. Ici, je prends Tommy Osborne. J'ai son film ici. Je vais te le donner. Il dit, moi, j'ai vu Jésus dans ma vie 4 fois. J'ai vu Jésus dans une vision. J'ai vu Jésus dans la Bible. Et j'ai vu Jésus dans un homme appelé William Branham. Et j'ai vu Jésus dans ma propre vie. Mais ça ne veut pas dire qu'il est Jésus. Non, il a vu ça Jésus. Oui. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. William Branham est venu nous montrer le Jésus que nous devons aimer. C'est mon frère. C'est ma soeur. Christian Bossembe, je dois avoir plus de l'amour. Parce que même le Congo ici se meurt. Je te pose une question. Vous avez moi maillé les chrétiens. Yeso yo lingaka. Et sa photo, et sa nîmes, yep sangana. Et ça, m'a couvert un corps pour la bise. Aza wapi. Aza la photo, t'es. Aza la photo, t'es. Aza la image, t'es. Mais je sais que son lingui, yon a lingui. Ça, je sais au moins. Parce que je ne peux pas aimer quelqu'un que je ne connais pas, attends, que je n'ai jamais vu. Attends. Que en ignorant mais c'est ça. Oui, ça, c'est sûr. C'est ça. Ouais. Jésus dit. Zéranatangeloango. Voilà les gens qui vont aller en enfer. Je vais te les lire. Zoa Bible na yo. Si, si. Nous allons lire les gens qui vont aller en enfer. Il nous reste 5 minutes. 5 minutes, hein? Ouais. Matthieu 25, 41. Matthieu 25, 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Qui sont ceux qui sont à sa gauche? Ils vont aller en enfer. En enfer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Lis. Car j'ai eu faim. Vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif. Et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger. Et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu. Vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison. Vous ne m'avez pas visité. Tout ce monde-là qui n'ont pas aidé Jésus à l'hôpital. Pourtant, Jésus n'était pas malade. Il n'est jamais allé à l'hôpital. Tous ces gens-là qui n'ont pas donné à Jésus un pantalon, une chemise. Pourtant, il ne manquait pas de vêtements. Donc, c'est quelqu'un d'autre. Je comprends. Okay. Il dit, ils seront en enfer. Continue la fin. Continue. Ils répondront aussi. Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons pas assisté? Et il leur répondra, je vous l'ai dit en vérité, toute le fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Qui sont aujourd'hui là ceux qui doivent aller en enfer? La Bible est claire là-dessus. C'est celui qui n'aime pas son frère. C'est celui qui ne donne pas les médicaments à son frère qui est à l'hôpital. C'est celui-là qui n'a pas donné un costume à son frère. Jésus dit, je les mettrai à ma gauche, ils iront en enfer. Il dit, mais le juste, c'est celui qui entrera au ciel parce qu'il aura compris ce mystère de Jésus. C'est Jésus-là qui est dans mon frère, qui est dans ma soeur, qui est dans mon ceci, qui est dans mon épouse, qui est dans mes enfants. Donc Jésus est dans tout le monde. Attends. C'est ce qui est dit. C'est ce qui est dit. Quand vous prenez une phrase, vous l'enlevez de leur conscience. Encore, encore, prenez, rapidement. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 1. Actes des Apôtres. 9, 1. Cependant, Saül, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Et il lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin qu'il s'y trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes. Il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, il entendit une voix lui disait, « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus, que tu persécutes. Il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi de froid, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. »
La colonne de feu qui est Jésus-Christ. Paul, toi, tu me persécutes. Est-ce qu'un homme peut-il persécuter la colonne de feu? Non. Personne ne peut persécuter la colonne de feu. Mais ils ont persécuté Jésus quand ils ont persécuté leurs frères. C'est de cela que je parle. C'est de cela que Tommy Osborne a dit. J'ai vu, nous dans le pentecôtisme, nous avions une image d'un certain Jésus comme ça. Mais William Branham est venu nous montrer que c'est Jésus la vie dans des hommes. Et il dit, depuis que j'avais compris ce mystère, cela a catapulté mon ministère. Cela a catapulté mon ministère. J'ai vu des frères qui ont mis, frère Branham discutant avec la sœur Meda, et il dit, entre moi et Jésus, qui tu aimes le plus? Mais ils n'ont pas continué. Ils n'ont pas continué la lecture. Mais le prophète Branham continue. Il a posé la question à la sœur Meda, entre moi et Jésus, qui tu aimes le plus? Il dit, j'aime Jésus. Il dit, maintenant, si Jésus sortait dehors et qu'une prostituée l'embrassait, qu'est-ce que tu auras dit? Il dit, j'aimerais ça parce que c'est Jésus. Il dit, mais moi, si je sortais qu'une prostituée m'embrassait, ça je n'aimerais pas. Il dit, alors tu n'as pas compris les choses. Quand nous sommes allés au ciel, beaucoup de frères venaient vers moi. Notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Et la voix est sortie. William Branham, tout ce que toi tu as aimé et tous ceux qui t'ont aimé, je te le donne. Ça, tous les frères du message le savent. Tous les frères du message le savent. Donc moi, je crois à ce Jésus qui est dans mon frère congolais. Ok. Là, et si nous arrivons à ça, même les histoires de problèmes, oh, corruption dans ceci, dans cela, ça va s'arrêter. Dans le message, qui est le Saint-Esprit? C'est Branham ou c'est le Saint-Esprit tel qu'il est? Le Saint-Esprit, c'est un ministère. Ça veut dire? C'est un ministère. Donc, c'est un envoyé de Dieu. Le ministère qui va se couvrir d'un homme. Parce qu'on parle ici de la dispensation. Comme l'a dit le pasteur Charles Lobanji. Comme l'a dit le rabbin. Il dit le ministère du Saint-Esprit parce qu'il y a le Père. Si vous ne croyez pas le Père, si vous ne croyez pas le Fils, mais la dispensation du Saint-Esprit. Pour nous qui croyons le message de William Branham, nous savons que c'est William Branham qui a mené ce ministère du Saint-Esprit. Est-ce que c'est lui le Saint-Esprit? Frère Branham dit ceci, que le Saint-Esprit est une personne qui agit dans un homme. Le Saint-Esprit qui entre dans Christian fait des chrétiens qu'ils deviennent un chrétien. Mais le Saint-Esprit est quelque chose qui se sert d'un homme. Il ne peut pas agir en tant que vent, en tant que ceci, en tant que force, en tant que... Il faut un homme pour que celui-ci agisse. Donc ce n'est pas un homme défini. C'est plutôt... C'est quelque chose, c'est un ministère qui continue de Branham. Il est parti. Nous autres, nous continuons ce même ministère du Saint-Esprit. Très bien. Est-ce que vous croyez que le prophète Branham était un pécheur? Bien sûr, un pécheur sauvé par la grâce, lui-même il est dit. Très bien. Alors, avant tout, c'est M. Nabissou. Ouais. Branham ou rien, et la Bible ou rien, qui passe avant? Et la seconde question, appendice Nango, entre la brochure et la Bible, le branhamiste est lié par quoi? Par la brochure ou la Bible? Là, j'aurais bien aimé que tu puisses venir avec une autre émission. Ça serait trop long de t'expliquer. Hein? Okay. Mais je vais t'expliquer en quelques mots. En quelques mots. Jésus, on dit qu'il parlait plus en parabole. Hein? Oui. Et les disciples lui ont même posé la question. Il dit, Seigneur, pourquoi tu ne parles pas clairement? Tu utilises simplement des paraboles. Il dit, c'est pour qu'en parlant, vous ne compreniez pas. Et que vous ne compreniez pas que vous ne vous convertissiez. Et que je puisse vous sauver. Donc la seule manière pour Dieu de ne pas sauver les gens, c'est de leur laisser avec des paraboles pour qu'ils ne comprennent pas. Vous ne comprenez pas, vous ne vous convertissez pas et ils ne vous sauvent pas. Mais un jour, il dit à vous, le mystère du royaume a été donné. Il est donné à vous de comprendre. Quand j'ai parlé du filet, j'ai parlé de l'évangile. Quand j'ai parlé en tir de poisson, j'ai parlé des enfants du royaume. Quand on dit qu'il y a des tortilles, ça c'est de ceci. Quand on dit qu'il y a eu des serpents, ça c'est des païens. Et le salut vient dans la compréhension des choses. Pour nous, qui croyons le message de William Branham, le message de William Branham n'est rien d'autre que l'explication claire de ce qui est écrit dans la Bible. Sans le déformer. Sans le déformer. Et pourquoi? La photo? Oui. Pourquoi la photo dans la maison du Seigneur? La photo d'un homme qui s'est considéré comme pécheur sauvé par la grâce. Pourquoi c'est sa photo? Ce n'est pas sa photo, tu n'as pas bien regardé. C'est quoi la photo? Je vois le prophète Branham avec la colonne. Voilà. C'est la photo de la colonne de feu. Et lui s'est retrouvé là-bas.
Si je te dis, Christian, viens, on va prendre la photo ici, c'est ma photo. Et si toi, tu te retrouves là, tu ne feras pas de ça ta photo. C'est pas ta photo, c'est ma photo. Mais j'ai voulu que mon jeune frère soit là à l'intérieur. Mais on vous interdit dans la Bible de mettre des insignes et de faire des pièces taillées ou ça, des images. Tu, Christian Boussembe, tu lis la Bible. C'est écrit dans le livre de Deutéronome. Tu ne te représenteras pas quelque chose que tu auras vu au ciel. Oui. Hein? Tu es d'accord avec moi? Si, si. Dis-moi maintenant, quand Noé ou bien Moïse a fait l'arche, les chérubins aux ailes de quoi, il a vu ça où? C'est par recommandation, on lui a dit de faire ça. Non, mais c'est lui qui a dit non, avant, que vous ne devez pas faire ça. Et puis de toutes les façons, les gens vont vous répondre que dans mon Ancien Testament, nous on est maintenant sur la grâce de Christ. Pourquoi maintenant dans le Christ là, Yosu Yango Apikas. Au bout, il s'est rendu à Tocha Fota colonne de feu. Qu'est-ce que c'est pour moi qui a monté déjà ici? Et le bain à Guéwa. Balobi Yango Bachava, il m'a acheté la maman. Non, Ancien Testament. On va jusqu'au toqué dans l'Ancien Testament, Yokimi Ancien Testament. Aux autres côtés, oui. Tu es toujours en Ancien Testament pour m'accompagner dans la bien. Tu ne représenteras rien de ce que tu auras vu au ciel. Et lui, il a pris, il a mis les ailes déployées des chérubins. Il a mis tous les tours de propitiation et tout. Moïse, ce qu'il a fait sur la terre, c'est ce qu'il a vu au ciel. Mais la chose n'est plus un péché quand l'Éternel lui-même vient et s'assied dedans. Parce que c'est lui qui a donné la loi, est plus fort que la loi elle-même. Il est le maître du sabbat. Quand il était là dans les propitiations, il n'y avait pas de péché. Et cette photo ici, c'est le seul, c'est un témoignage pour nous, c'est le seul être. Vous savez, ça me fait très mal que nous on ait livré au verdict populaire notre prophète. C'est tout le monde qui l'injurie. Ouais, vous avez voulu. Ça ne devait pas avoir lieu. C'est des gens qui parlent. J'ai Nayo qui même petit mousson, a baigné même la téléphone. Eh ben, Tobrana, Mimeli Bangi. Christian, tu me regardes là clairement, nettement. Je ressemble à un fumeur de champ. Mbokoyo. Dans ce pays, personne n'est bien dans ce pays. Ben, malheureusement. Hein? Malheureusement. Mais qui pour nous dans ce pays sera bien? Tous les pasteurs sont mauvais. Roger Bakapé, sur 3 mois, on s'est reconverti, on changeait Malbassoguité, on part dans la CD, mais jusqu'à l'année 20, on s'est passé des ans. 10 décembre, en tout cas, si on s'en irait, on part dans la CD. Ah, on dans la CD. Qu'il le fasse. Qu'il le fasse. Et lui qui est même serviteur de Dieu, ça m'étonne parce qu'il m'aurait même appelé. Mon frère, regarde. Qu'est-ce que tu voulais dire? Je lui aurais montré ce que j'avais dit. Que les autres ont commencé. Tu sais qu'après ça, beaucoup de gens ont commencé même à me demander pardon. Beaucoup de gens se repentent. Beaucoup. Ah ouais, on avait mal compris. Ah, or c'était comme ça. Or c'était comme ça. Donc c'est des fuites en avant comme ça. On lui donne 3 mois qu'il le fasse et tout et tout et tout. Bon. On a Christian, attends, je vais te le dire. Pour ce qui est de notre message et de notre prophète, si lui, il va prendre le CD, il va casser, il n'a qu'à casser. Hein? On a compris. Il n'a qu'à casser et je ne lui dis pas d'écouter l'Ifoko. Il n'y a aucune écriture qui dit que si tu écoutes l'Ifoko, tu iras au ciel dans ses chansons. Il n'y en a pas. C'est pour réconforter tout. Si lui trouve qu'il ne doit pas écouter, il n'a pas écouté. Mais pourquoi tu n'as jamais chanté Branham? Pourtant, tu as toujours chanté Christ, Dieu, Saint-Esprit. Bon, je ne sais pas dans quel langage, dans quelle langue je dois le dire. Hein. Non, parce qu'après, les gens te comprennent peut-être difficilement. Dans toutes tes chansons, c'est le chrétien universel. Parce que tes chansons jouent dans toutes les églises, pentecôtistes, toutes les églises. Mais pourquoi est-ce que tu as voulu faire la séparation? En tant que musicien, je ne mets pas des barrières. Mais en tant que pasteur, je reste branhamiste, intégriste. Je prêche ce que nous croyons. C'est ce que Frère Branham nous dit. Que l'évangélisation au temps de la fin, c'est Malachie 4. Nous le faisons. Et depuis tout le temps, aujourd'hui, j'ai 40 et quelques années dans la foi. C'est ce que nous faisons. Très bien. C'est ce que nous faisons depuis tout le temps. Hein? Alors, pasteur, tu aussi ces missions, mais... Angle là-bas, il y a question, et dans la polémique, vous êtes libre de répondre ou pas. Entre pasteur Barouti, pasteur
Kaloumbou, hein, c'est le nom qu'on m'a cité. Mm-hmm. Pasteur Barouti, Pasteur Kaloumbou, hein, mm-hmm. Pasteur Vimbidila, je vais me tromper, Pasteur Vimbidila, Pasteur Dioka. Selon Yo, Banani Obaza pour défendre le vrai message tel que Branham l'avait laissé. Banani Babaki cité, Obatikali Penzana, Ndenge Branham Alobaki, 1 plus 1, c'est autant. Banani. Honnêtement. Ce n'est pas moi de le dire. Tu sais, dans notre foi, c'est ce qu'Israël essayait d'expliquer à tout le monde. Frère Branham nous dit ceci. Chaque pasteur est libre de prêcher ce qu'il veut. Même de mentir? Oui. Okay. Si son église est d'accord avec ça, personne n'a le droit de les juger. C'est comme ça chez nous. Mais il y a un jugement, mon moteur va être église, non? Il y a quelqu'un qui a un stade de l'assemblée dans mon église. Ouais, ça doit rester comme ouais. Ça. Mais dans pourquoi, mon église. Pourquoi on le prend, on le fait sortir, ouais. Allez-y comprendre. Allez-y comprendre. Donc c'est toujours dans le souci de vouloir nuire. Moi, peut-être beaucoup de gens en RDC ici ne le savent pas. Moi, j'ai l'ordonnance où je suis, comme on l'a dit, représentant légal de la communauté Lys Tabernacle, signé par le ministre de la Justice, qui me donne le droit d'ouvrir les églises partout dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Donc à cause de cela, je ne me vois pas. Je suis avec mon élément, mon église. Et ma joie aujourd'hui, c'est mon église, mes églises. À Pointe-Noire, les gens me soutiennent. Là où j'ai prêché ça, aucune personne n'a été à choper, ni quoi que ce soit. Là où j'ai prêché, à Lubumbashi, Utu, l'église est contente, nous construisons les tabernacles, les temples et tout. Et je passerai en passant en disant que Dieu bénisse des gens courageux, qui ont eu à dire, non, nous connaissons le pasteur Lifoko Kamara. Nous le connaissons et nous savons qu'ici, il y a eu coupage, il faut suivre sa pensée. Les Henri Papa, je ne saurais pas tous ces hommes de Dieu qui sont passés, qui ont parlé en bien. Malheureusement, quand vous essayez de parler seulement en bien, tout. Vous en avez pour vous. Vous en avez. On dit, allez, vous êtes maudits et vous irez en enfer, vous allez mourir brûlés et patati patata. Mais je crois que c'est l'amour qui peut même ramener un frère. Si réellement j'étais un démon, j'étais vraiment un mauvais esprit, c'est en... En ouvrant vos bras, vous me recevez. Mais pourquoi et vous me donnez. Pourquoi on vous oppose au pasteur Barouti? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Sincèrement, vous ne savez pas? La dernière fois que vous avez parlé avec lui, c'était quoi? La dernière fois qu'on a parlé ensemble, ça relève lors de la dédicace de l'église de Rigini là-bas. Quand on a dédicacé l'église. C'était quelle année? Je crois que ça doit faire dans deux ans ou trois ans. Mais je crois que nos choses à nous, d'être un jour, on finira par s'asseoir et parler. On finira par s'asseoir, par s'expliquer. Regardez ce que je voulais dire, voilà, voilà, voilà. Mais ça fait très mal. Il y a des gens, et je vais terminer par ici, on leur paye de l'argent. Injurier, il faut. Qui les paye? Un groupe de gens. Un groupe de gens leur paye de l'argent. Merci. Et regarde, il y a... Même le premier, c'est lui qui a coupé. C'est lui qui a lancé l'alerte, la craque. J'ai pris la vidéo en entier. C'est ce que je t'ai envoyé. Je l'ai lui envoyé, j'ai dit, ça sera... Ah donc tu le connais même? Oui, je le connais. C'est un petit que j'ai aidé. Où? Ouais. Celui qui a fait ça? Ouais. Je lui ai donné l'argent pour se marier. Je l'ai aidé, malheureusement. Il est dans quelle église, dans quelle communauté? Non, laissons ça. Merci beaucoup, pasteur. Je vais résumer. Vous l'avez aidé, vous l'avez été, vous avez ceci, cela, pris. Et même quand il vient aussi chez toi, il parle en mal des autres. Il parle. Écoute, il faut passer à l'attention alors, parce qu'il peut parler en mais, mal. Mais c'est ça. Mais c'est moi, dans la tradition africaine, on dit ceci. Moi, je suis un papa Baninga. Papa Baninga. Il faut que parce qu'il y a un finger pe. Papa Nabino. Peut-être papa n'est pas un finger. Ah, donc c'est cela. Alors, pasteur, je résume le propos.
pasteur Lifoko est chrétien? Je suis chrétien, je crois le message de William Aaron Branham, c'est ça. Pour le pasteur, et Dieu, depuis tout le temps, Jésus-Christ est le Dieu de William Aaron Branham. Depuis tout le temps, nous le disons. Donc, et le Seigneur Jésus-Christ est au-dessus de William Aaron Branham. Nous le disons tout le temps. Bon, je sais, les gens vont parler, mais je t'ai dit, si j'ai mis ma main sur la Bible, je termine par là. Et c'est la quatrième fois. Si Lifoko a été baptisé au nom de William Aaron Branham, si j'adore William Aaron Branham dans le cache-cache, dans le ceci, que demain samedi. Toujours la main de votre Bible. Dans ma Bible. Qui est le chemin, la vie et la vérité? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Très bien. Et pour nous, le Seigneur Jésus-Christ, c'est la parole qui a été révélée en ce jour ici. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Derrière. J'aurais bien voulu qu'on parle du message vraiment, mais on n'aura pas le temps. Je crois que dans un autre numéro, on en parlera. Ouais, ouais, et je viendrai personnellement dans votre église. Faut à venir. À Pointe-Noire. Ouais. J'y étais l'autre fois, mais dans mon acuité. Je viendrai et on va faire donc encore une tous autre les pasteurs, je ne suis rien. Il faut qu'on ait rien. Et je crois que par la grâce de Dieu, je ne suis pas encore arrivé à ce que Dieu veut que je sois. Et tout ce qui se dit, tout ce qui se parle, et tout. Écoutez votre frère avant tout d'abord des préjugés et tout ça. Peut-être on vous associe à l'image du prophète Branham aujourd'hui. On se dit, mais celui-là est défenseur du prophète Branham, de la parole qui n'a pas été truffée de beaucoup de choses. Peut-être. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, on a tourné l'émission à l'église. L'église se trouve à la 13e rue, c'est l'église du pasteur Grâce Mutombo, votre fils. Ouais. On a tourné ça ici, ça n'est qu'une première partie. La deuxième partie, on va la tourner à Pointe-Noire. Quand on parlera du message, on verra l'église, on présentera l'église. Je vais aux États-Unis à mon retour, vraiment, je vais t'inviter. Ça serait un grand plaisir. Tu vas venir et tu vas vivre les phoques dans son milieu naturel. Alors, pourquoi pas Lubumbashi? Pourquoi pas? J'ai vu tout ça, on a fait des lectures, vous avez tous compris. On se retrouve très prochainement. La place est libre pour tous ceux qui pensent avoir un autre son de cloche. Je crois, comme le pasteur Lifoko l'a dit, ça ne sert à rien. On peut être contre, on peut ne pas s'entendre, mais jusqu'à en vouloir à la vie des gens, alors c'est très compliqué. Mm-hmm. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les hommes.